Bonjour à tous et à toutes, Charlie, bienvenue pour cette nouvelle session, peut-être une série d'épisodes sur Neverwinter Nights 2, dans lequel le but va être de finir le tutoriel. Je vous rappelle que nous incarnons un personnage mystérieux qui est déjà niveau 2, parce que c'est le tutoriel. Est-ce que je vais retrouver le nom là-dedans? Ce serait sympa. Brandy Black, peut-être. Peut-être un fils, un personnage, une personne en rapport avec Ken Black du premier épisode, on ne sait pas. Pour le moment, c'est le tutoriel, c'est la fête au village, accompagné de Ernie et de Beville. Nous avons quelques quêtes à accomplir et nous sommes déjà avec quelques points de vie, sachant qu'on commence avec 8. Le but doit être de finir le reste des quêtes. Donc déjà, il faut que je fasse les trois dernières épreuves, c'est-à-dire que je dois combattre la reine, le bonus, je dois finir le défi des filous, c'est-à-dire trouver les coffres, les crocheter et prendre les plumes qui s'y trouvent dedans. J'en ai déjà une, normalement, qui est juste là, et puis j'ai une arme à la con. Je peux pas me mettre deux armes, t'es sérieux? Ah, je déteste ma vie. Ouais. Suivez-moi! Je vais remettre ça. Et le tour des arcanes que je vais trouver juste après. Pour le moment, je vais me concentrer sur les coffres et ensuite sur le tour des arcanes. Il faut que je trouve Rete Sterling du coup. Voilà, voilà. Alors j'ai une map, la mini-map. On va essayer de trouver le tour des arcanes. Parfait. Par ici et tout droit. Rete Sterling, impeccable. Alors, le jonglage et le marionnette, c'est bien joli, mais enfin, de la magie. Alors, allez. Il y a des enfants dans le public, allez, vas-y. Et donc, ah oui, important, je peux incarner tous les autres personnages. C'est-à-dire que Forgotten Realism, pas con. Les mecs qui ont fait Swindale, les mecs qui ont fait Baldur's Gate, hein. Il y a du vécu, alors que je suis derrière de la brume. La brume. On peut contrôler les autres personnages dans celui-là, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le premier. Donc du coup, là, on va faire des tours de magie. Alors, base des sorts, en attendant, vous incarnez, appuyez sur F, affichez sa fenêtre de sort rapide. Donc j'appuie sur F, sort rapide, ok, donc déjà je me trouve dans un MMO. Cette fenêtre mémorise vos sorts, trouver convocation de créature 1 et cliquer dessus. Ok, si l'un de vos sorts est mal lancé, cliquez sur un bon repos, ok. Donc, convocation de créatures, je pense que c'est les sorts de niveau 0, de niveau 1, donc les sorts classiques, et les sorts de niveau 1. Donc, convocation ici. Et j'ai invoqué. Allô ! Le sort d'agrandissement sur Beville, hein, peut-être lancer sur vous-même, l'un de vos alliés, mais jamais sur un ennemi. D'accord. Donc, agrandissement, qui est celui-là. Voilà, et je dois le mettre sur Beville. Il est où Beville? Il est là. Agrandissement. Oh, jolis effets. Et on voit que Beville a des trucs. Pardon, excuse-moi, dégage. Donc, ça me donne des bonus et des malus. Donc, défense réduite, mais dégâts et force augmentée. Et dextérité des crus, ce qui est normal. Attaque réduite. Ok, c'est donc un sort utile comme ça. En guise de clou de spectacle, frérie un sort offensif sur une cible de destructible. Rayon de givre ou aspersion acide. Donc c'est un des deux sorts, je pense. Et bêtement, aspersion acide, ok. Et tout ça, bien sûr, me consomme de la mana. Sauf que la mana, je ne sais pas où est-ce que ça se voit. Aucune idée. Alors, je vais le lancer. Je vais le lancer, tiens, sur ce vieux tonneau. Très bien. Et eh bien je vais lancer mon rayon de givre sur ce tonneau. Et pan. Très beau effet. Et eh bien parfait. Donc ça c'est les bases. C'est les bases de la magie. Donc si je veux utiliser un personnage magique, j'ai F, j'ai les sorts. Très bien. C'était impressionnant une fille. Oh là là là. Tout va bien. Je vous déclare vainqueur du tournoi. C'était vraiment très sympa. Et des parchemins. Et eh ben tant mieux. Alors, il va se passer un truc avec ce personnage. Je vous dirai pas quoi. Il va se passer un truc. Alors, voilà, je suis simplement doué.
jeter un œil à un cochon. Alors, celui de cette grande moitié personne qui va gagner pourra saluer, mais moi je. D'accord. Ensorcelé. Eh bien, nous allons voir ce cochon. Très bien. J'ai gagné des points d'expérience normalement. J'ai gagné 1400 ou 400 d'expérience. Normalement, j'ai gagné des objets. Disciple mineur, donc ça, c'est des parchemins que je vais potentiellement mettre sur. Ah, bah oui. Alors, attends. Pour passer les objets, je continue de découvrir le jeu. Je rappelle, j'ai lancé Neverwinter Nights 2 et j'ai lancé Neverwinter Nights 1. Normalement, j'ai un objet pour examiner. Alors, au niveau de sort, ce sort permet de tenter d'annuler les effets magiques sur une cible, blablabla, utilisable par plein de choses. Ok. Donc ça, c'est des sorts que seul un magicien peut utiliser pour le moment. Ça peut être utile en combat. Je vais repasser sur mon pote. Ah oui, d'ailleurs, je peux prédisposer la barre d'action rapide sur chaque personnage. Suivez-moi. Donc, on nous a dit, il y a un cochon. Donc, on va aller parler au cochon. Alors, quel bonus? Alors, sur un cochon, Lewis Jones. Alors, je vais zoomer un petit peu. Le défi des filous, concours tir à l'arc, gagne le marchand du cochon. Donc, par là, port de Lévi. Allons-y. Flynn a raison. Ce cochon a été enchanté. Mais l'aura est faible. Il doit s'agir des effets d'un enchantement mineur ou d'une potion. Quand même, le doublage FR, comme le 1. Pareil. Alors, Galen apporte souvent des commandes spéciales de la ville. Et pour les garder secrètes, il n'a pas son pareil. Ou peut-être qu'il se les procurait auprès d'un de ses voyageurs égarés sur ses terres. Vous vous souvenez du barde que Lewis avait proposé de guider dans le marais? Personne ne l'a jamais revu. Le sort de dissipation minime de Reta. Il me suffit de lire son contenu à haute voix. Attendez, on ne devrait pas aller parler à Lewis? C'est un pauvre bougre et un tricheur. Mais nous devons lui laisser une chance avant qu'il ne soit humilié devant tout le village. Oh là là, la quête bonus de est-ce que t'es mauvais, est-ce que t'es gentil? Eh bien écoutez, moi je suis une personne sympathique qui laisse sa chance. Donc je vais parler à Lewis. Donc, Lewis. Ah oui, bien prenez qu'il y a une différence entre accuser quelqu'un hein, pour moi, vous n'êtes que... Ok. Ok. Alors, bien sûr, si je vous donne une autre option. Non. Ok. Et donc, maquette. Pour retirer l'enchantement du cochon, ah, on peut faire ça nous-mêmes. Alors, ça, c'est cool. Hein, accéder à votre inventaire à dissipation mineure. Ok, et bah écoutez, mettons en pratique ce qu'on a dit tout à l'heure. Dissipation mineure, je le mets dans ma barre, hop là. J'appuie sur 1, ce qui fait que j'active mon sort. Enfin, je le prépare, le sort, et je vais le lancer sur cette zone. Hop, le cooldown. Et voilà. Je t'avais prévenu, Jean-Mi. Et donc je reviens avec Orlène. Alors, ce fut un plaisir. Voici du porc séché. Miam. Eh bien. Hop, porc séché, j'ai gagné 2 XP, tout va bien. Regardez ça, c'est beau. Alors, le porc séché, je regarde un petit peu. Examiner, soit les G4, sérieux. 4 charges, eh oui. Eh ouais, ouais. Eh bah écoutez, je vais... je peux pas diviser le truc. Mince. Un petit peu dommage. Donc, ça c'était une des quêtes que j'ai faites. J'ai effectué 2 quêtes. Maintenant, je vais faire le défi des filous. Qui est quelque part là-bas, je l'ai vu. Estrade. Je l'ai vu, je vous jure, je l'ai vu. Je vous jure que je l'ai vu, ce truc. Je suis juste devant.
Heureusement qu'on peut zoomer. Voilà. Là-bas. Faut juste que je trouve des coffres. Le défi des filous, faut que je m'adresse à qui? Salut gamin. Ok. Parlez à Tarmas, oui. Tu apprécies la fête? Des enfants sauvages courant après des hommes. Oh, mais encore une fois que je connais. Qui se massacre à grands coups de gourdin. Sais-tu qu'il y a un prix pour le plus gros cochon? Comme si ces créatures avaient besoin qu'on les encourage. Je suppose que tu veux participer au défi des filous. Déjà que nous sommes perdus au milieu de boues pestilentielles, pourquoi ne pas en plus encourager nos jeunes à devenir voleurs? Aucun de vous n'a les compétences nécessaires pour participer à ce défi. Et ce n'est pas moi qui m'en plains. Il va te falloir l'aide de quelqu'un capable de faire les poches, de crocheter des serrures et de trouver des objets cachés. Équipe alors. Il passe son temps à subtiliser ses fioles à Tarmas. En plus, il est juste là, derrière la tente. Ah bah dis donc, et c'est fou, hein, on va parler à équipe. Ouais, ok. Ah, ah. Personnellement, je suis convaincu. Allez, hop, vas-y. Oh là là, regardez, il y a un gamin qui m'accompagne. Et il a level up, écoutez. Alors attends, annule. Oui, pas les couilles. Alors du coup, lui, il est roublard. Et bien c'est comme moi. Oui. Ouais, roublard. Mais écoutez. On va juste, voilà, recommander. Hop, suivant. Il va prendre énormément en crochetage. Voilà, il va tout mettre en crochetage, en déplacement. De toute façon, je le reverrai plus qu'à moi. En même temps, ça me permettra de vous monter, si jamais vous avez raté, comment qu'on fait pour monter les points de compétences. Tout ce qui est en bleu, c'est ce que je peux monter. Tout ce qui est en blanc, je peux le monter. Mais ça me coûte 2 points de compétences au lieu d'un. Et tout ce qui est rouge, et ben, non. Et ben non. Et bien sûr, c'est loqué en fonction de mes compétences. Donc du coup, paf, suivant. Hop, et tout le résumé, il a gagné du point de vie, il est incroyable ce pauvre garçon. Tout va bien. Bon, alors, maintenant, il faut trouver les coffres. Oui. Non, oui, mais non, mais suivez mon personnage principal, s'il vous plaît. Oui, trouver les coffres, n'est-ce pas la bonne quête? La reine des moussons, défi de filou. Alors, allez voir Tarmas. Ah, il faut que j'aille le voir, faut que... D'accord. N'est-ce pas le chenapan qui m'a dérobé mon cil de basilic à 4 reprises? Exact. Ma grenouille avait besoin de cil. Je lui en ai trouvé. Et son ami en avait besoin, elle aussi. J'ai encore déjà entendu cette voix. J'entends... Vous entendez plein de voix. Que vous avez déjà entendu quelque part. C'est normal. C'est normal. Allons, ne t'inquiète pas. Je réglerai mes comptes avec notre jeune artiste et ses grenouilles plus tard. Avant de commencer, souhaites-tu entendre la comptine? Oui! Très bien, mais je t'aurais prévenu, elle ne vaut rien. 3 plumes cachées et bien éloignées. Une blanche, bien qu'en boîte, vaut plus qu'une écarlate. Une bleue a rejoint les termites qui rôdent, et une verte la poche de l'homme émeraude. Mmh. Oui, toi et les autres enfants. D'accord. Abandonnés de Port-Nuit. J'adore les enfants, surtout ceux des marais. Ok, alors du coup, la blanche, c'est celle que j'ai trouvée, qui est dans un coffre. Il y en a une qui est près d'un nid de termites et une autre près de l'homme émeraude. Donc l'homme émeraude, c'est une personne habillée en vert. Voilà, c'est ce que je comprends. Donc... il faut que je trouve une personne habillée en vert. Et normalement, voilà. Hop. Donc la blanche est en boîte. Rejoins les termites qui rôdent. Qu'est-ce qui pourrait rôder? C'est le moment où je vais faire fonctionner les ménages. Hein. On va un petit peu réfléchir. Sachant que je ne peux pas sortir. Vous voyez, je ne peux pas sortir. Elle me dit non, nique-toi. Alors, vert, voyez-vous, moi je pense que c'est un personnage qui est vert. Type elfe. Ou quoi qu'est-ce, donc c'est près d'un personnage. Vous voyez, c'est là où j'avais trouvé la blanche. Normal, qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui pourrait ressembler à des termites?
Alors, vous avez trouvé le coffre? Oui, 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 non, c'est bon, ça je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, sans le faire exprès d'ailleurs. Quelque chose de vert. De l'homme vert. Je vais garder ça vers moi. L'homme émeraude. L'homme émeraude. Je réfléchis. Et j'explore aussi. Parce que, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait être vert? Peut-être que c'est Dayune? Non? Là, je trouve que c'est là d'où je viens. Résilience, non. Ah oui, et je le rappelle, le jeu tourne sur une version physique. Donc, si jamais à certains moments ça ralentit un petit peu, ne vous en faites pas, ce n'est pas le lecteur YouTube, c'est juste la version CD. Ah oui, c'est vrai, j'ai cette option. Je suis con, je redécouvre des trucs. C'est génial. Écoutez, best game ever, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça dure trop longtemps, je ferai une coupe, hein, vous en faites pas. Ah bah, dis donc. Ah bah, dis donc. Ah ah, d'accord. Détection sur la loupe, ouais, bon, je... Ok. Donc si je me rapproche... Vas-y. Oui. Non mais... Jean-Mi. S'il te plaît, merci. Désamorce, désamorce. Ah, c'est donc ça le tas de termites. Oh là là. Mais il sort un petit génie. Oh, c'est un génie. Le tas de termites. Bah oui. Vous devrez disposer de compétences escamotage pour obtenir plus. Attends. Pour utiliser cette compétence, c'est ce que j'ai pas lu. Faites un clic gauche sur le code escamotage de votre barre de raccourci. Escamotage, ouais, je n'ai pas escamotage. Compétence. Ah ah, je viens de découvrir un autre truc du coup. Je suis... Oh là là, mais génie! D'accord, alors compétence. On va prendre des compétences du coup. Désamorçage, sabotage, hop. Discrétion, hop. Ça, ça va m'être utile, vous n'allez pas savoir comment, quoi. Hop. Escamotage, voilà. Donc du coup, ma première impression qui était la bonne, c'est juste que je suis un peu con. Mais il fallait le deviner, il faut que je retrouve donc Jean-Michel l'elfe, voilà. Je vais me mettre en discrétion. Je vais escamoter Jean-Michel l'elfe. Qui est un échec. On va escamoter Jean-Michel l'elfe. Contre 18 contre 20, t'es sérieux? Bon, oui. Du coup. Ah mais je l'ai escamotage. On va escamoter. Non, escamoter 3. On va aller sur. Comment ça je peux l'utiliser nulle part? Tu m'énerves. Faut vraiment que je fasse tout avec lui. Ah d'accord, bah là j'ai 11. Comment je peux faire? Évidemment, c'était pas la bonne personne. J'ai fait 14, j'ai fait 10, 20 mètres. Et voilà. Verte la poche de l'homme émeraude. Je suis sûre que la plume est dans la poche de cet homme, près de la maison. Voilà, voilà, je... Non mais je suis trop con, écoutez. Alors, il faudra la voler à l'homme à la fin, c'est trop dense. Escamotage, cliquez sur l'homme. Voilà, on me... Alors rappel, les marchands sont difficiles. Et j'ai raté et je me suis fait interrompre. C'est toujours génial. Vous les verrez toujours, hein, ça.
Contre 20, mais vous vous foutez de moi, vous êtes... Ah. Et ben voilà. Et ben parfait. Et ben génial. Oui. Bon, c'est un problème de régler. Un problème de régler sur... je ne sais combien, on va retourner voir le magicien. Tarmas, voilà. Bon, pour les énigmes, c'est pas encore ça. Vous inquiétez, ça va venir. Ça va venir, vous n'en faites pas. C'est vraiment une triste journée pour une fête. Même les tentes font grise mine. Nous avons les plumes. Enfin, le défi des filous a été remporté. Je peux rejoindre un endroit sec. Je vous embrasserai bien tous, mais qui respecte un magicien affectueux? Je ne sais pas. Inutile de me le rappeler, j'essaie de ne jamais sortir de chez moi, sauf pour prendre mes mots. 400 XP. Et qui est toujours avec nous, parce que... Bah parce que, écoutez... c'est comme ça. Du coup, Kip, il a pas d'arme. En vert. Non, il a... Oh, il a... Eh, ce pauvre gamin, il a pas d'arme. On va lui donner une arme. 4 contre 3. Allez, on va se les faire. Suivez-moi. Alors, il me reste juste le défi des moussons. Qui est quelque part par là-bas. Je vous jure, je l'ai vu. Alors que... Voilà, parfait. Là-bas. Yep, ils sont là. On va faire une petite sauvegarde rapide sur voilà ici. On va donner une save au pif. Là cette fois je l'ai retenu. Toujours sauvegarder la partie. Et il faut que je parle à qui? Il faut que je parle à Michel. Non, faut que je parle à lui. Faut que je parle à lui. Autre combat. Mosfeld soit d'accord. Et là, je vais... Oui. Mosfeld, il est où? Il est... Il est où? Alors, attendez, faut que je retrouve ma quête. Oui. Oui, j'ai envie quand même. Alors, vous avez été battu... Will Mosfeld. Will Mosfeld. Will. Il est là. Deuxième chance, pourquoi pas après tout. Allez, c'est y part. On se la donne. Je sais pas où je suis. Ils ont tué genre, ils m'ont tué moi. Mais lance un sort putain. D'accord. Eh ben, il ne reste plus que Michel. Non, you can do that. Oh, ça se joue. Ça se joue. Oh là là, mais quel génie. Oui. Incroyable. Incroyable. Anarine et la coupe. Et bah, c'est bon. Bientôt level up. Ah là là, bon, repos. Normalement, c'est cette touche. Alors, le repos de 5 secondes, évidemment. Et bah écoutez, c'est une victoire. Maintenant, il faut aller voir Georges. Georges est là-bas. Georges. Mon petit Georges, je crois que j'ai gagné. Bravo, bien joué. La coupe est à vous. Depuis Cormick, personne n'avait remporté les 4 épreuves. Mais je t'en prie. Cet exploit mérite bien une récompense spéciale. Tu as gagné la cape des moissons que je te remettrai au nom du conseil du village à la fin de la journée. Et si tu as des choses à faire avant la cérémonie de remise des récompenses, fais-les maintenant. Peut-être une petite chope d'hydromel. Allez. Allez. Je vous retrouverai près de l'estrade quand vous serez prêt pour le discours. Je vous laisse. Et c'est le level up. Incroyable. Et c'est le level up, c'est le niveau 3. Et donc on y va, on augmente ce qui a augmenté, la fouille. Alors pas ça, l'escamotage, très important. La détection, l'acrobatie, et puis c'est déjà pas mal.
Je peux ajouter un don. Je peux ajouter un don. Eh ben, écoutez, je pense que... Attaque en finesse. Qu'est-ce que ça me donne? Bonus de plus 1. Robustesse. Ah, ça pourrait être pas mal. Un point de vie par, en plus par niveau. Alors ça pourrait être bien. Mais... Bonus de plus 4 à initiative, ce serait beaucoup plus intéressant vu que je suis roublard. Ou bien Vélos. Alors ça, ce serait bien pour la course. Ou alors un don... Je ne sais pas. Volonté de fer, ça c'est les bonus de pendant les tests. Je pense que on va... Ça sert à quoi ça? Ah bah attendez, bah c'est parfait ça. Allez, je prends ça. Parce que si je fais recommander, ouais. Je prends celui-là. Plus 8, sens du piège et attaque sans base. Et bah c'est parfait. On va passer sur les autres. Plus de concentration, plus d'alchimie, plus de savoir, plus d'art de la magie. Et comme il me reste 2 points, on va mettre ça dans... quelque chose qui pourrait être quand même utile. La détection. Allez. Et tu vas prendre un truc pour la magie. Ah, les armures légères, ça ce serait très intéressant pour toi. Donc armure légère. Et en sort niveau 2 ou alors en sort niveau 1. Qu'est-ce que je pourrais lui apprendre un sort niveau 2. Qu'est-ce que j'ai en sort niveau 1 qui pourrait être bien. Je regarde. Un sort d'identification, ça pourrait être très intéressant déjà. Vision dans le noir, ça pourrait être intéressant, mais je vais peut-être pas le prendre. L'armure mortelle. Oui. Baiser de la goule, alors ça normalement c'est jeu de vigueur et paralysie, ouais. Combustion. Bon, on va prendre bourrasque peut-être. Ah, ça fait tomber, ça c'est pas mal. Ou alors. Vision aveugle. Non, ça c'est pas très très utile. Tel moment un peu chiant, je vous invite à le passer si vous voulez. Ça c'est pour être pas mal, explosion de feu, allez, gros sort niveau 2. Et enfin, notre cher Béville, guerrier incroyable. Donc là évidemment, on va te mettre des points partout, surtout en parade. Ah, tu n'as pas trop de points de compétence. Et toi, on va te prendre attaque en puissance, quand même. Parce que t'es un guerrier. Voilà. Et plus de vie, comme d'hab. Bon, il y a Keep, mais Keep. Allez, juste pour le fun, on va prendre. Ouais. Recommander. Attaque en finesse. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé. Oui. Nous allons voir une petite shop d'hydromel. On l'a mérité. Je l'ai mérité cette shop. Normalement, la shop. Eh ben, elle est là. Eh ben, parfait. Allez. Ah, une petite chape d'hydromel. Ah. Ah bon, d'accord. C'est pas très gentil, monsieur. C'est pas très très gentil. Ah d'accord. Ah bon, d'accord. Bon, ok. Eh ben... Bon, bah... Tant pis. Bon bah tant pis. C'est dommage. Alors, on va monter sur l'estrade. Allons-y. Finissons officiellement le tutoriel. Estrade. Je l'ai vu l'estrade. Zoom. L'estrade. Elle est tout là-bas. Allez hop, tout droit. Tout droit, Michel.
Les petits problèmes de déplacement, ouais. Oh là là, ah oh, ça va recommencer. Ah oh, ça va recommencer, c'est génial. Alors si jamais vous avez jamais vu Neverwinter Nights 1, les problèmes de déplacement, légion. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est le mot légion. Voilà. Allons-y, allons-y. Monsieur Georges. Allez tout le monde, rapprochez-vous. Disparition. La fête des moissons marque un triste anniversaire. Nous nous souvenons tous des événements qui se produisirent en ce jour où nous avons failli perdre le village, nos vies et tout ce que nous chérissions. Mais nous avons tenu bon, déblayé les ruines, enterré nos défunts et mis le passé derrière nous. Et nous avons reconstruit en plus beau et en plus solide. Tant qu'il y aura une fête des moissons, ce jour restera gravé dans nos mémoires. Nos jeunes resteront forts et participeront à la coupe. Et maintenant, une ovation pour les vainqueurs. Triple banc pour les champions des moissons. Hip hip hip, hourra! Hip hip hip, hourra! Hip hip hip, hourra! Waouh. Donc la fin du tutoriel. Acte 1. Le village est attaqué. Bornu est attaqué. Tu es en vie. Prends une arme. Il faut aller défendre le village. Qu'est-ce que se passe-t-il? Je ne sais pas trop. Ils ont afflué du marais et ont commencé à détruire le village. Dépêchons-nous. J'ai vu que nous étions suivis. Ils risquent de s'en prendre à cette maison. Ah, pardon, excuse-moi. Bonjour, et eh bien voilà, nous sommes... Allez, on prend tout. Sur le début de l'acte 1, que je ne vais pas faire pour le moment, parce que nous avons fini le tutoriel, et qu'il faut que je remette à peu près ces barres à jour. Voilà, parce que c'est pas trop ce que je veux, maintenant que je sais comment faire. Du coup, c'est la fin de cette de cet épisode et de la fin du tutoriel en même temps. Mais j'ai la coupe des moussons. Oh, j'ai un truc comme ça. Alors en vrai, ça me donne un... Ah, c'est bien ça, ça me donne un soin. Et ça, c'est cap des moussons qui me donne un charisme de plus. En vrai, que je vais me mettre. On met ça dans le carquois, ça on garde, ça on garde, et ça on garde du mana. Que je donnais pas à elle d'ailleurs. D'ailleurs, elle, spoiler, elle va mourir. Du coup, je reprends ses parchemins. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé la fin de cet épisode au final. J'espère que ça vous a plu. Nous avons fini le tutoriel. La prochaine fois, nous attaquerons l'acte 1 avec une grosse séquence de combat. Là, il va y avoir du combat. Pour ne pas rater la suite de cette série, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à me mettre en commentaire si vous avez des conseils sur le jeu, à me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent et où j'annonce ce qui va arriver sur la chaîne et les projets qui sont en préparation. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.